avoir la queue entre les jambes. Je pense que c'est une des difficultés, avoir des petits bobos. Avoir la queue entre les jambes, ça, bon, c'est une manière d'être, de posséder, quoi. C'est-à-dire c'est quand la personne possède, il a une queue entre les jambes. Les garçons peuvent avoir la queue entre les jambes. Comme vous, par exemple, vous avez une queue entre les jambes. C'est de vivre au dépens de lui-même. Tu dragues une petite, elle vient chez toi, tu la déshabilles et puis tu mets la queue. On appelle ça sans doi, doi n'est rien. Bon, pour moi, avoir la queue entre les jambes, c'est avoir peur. Avoir la queue entre les jambes, chez moi, c'est... Ah, c'est ce qu'on sent. Hein. Avoir la queue entre les jambes, ça, il y a différentes sortes de queues. Il y a une queue humaine que tout le monde sait, les nerfs, les vrais nerfs. Ça, c'est la queue. Voilà. Là, il faut le dire. Maintenant, avoir la queue aussi entre les jambes, ça, les animaux aussi peuvent avoir une queue entre les jambes. Là, c'est différent. Mais moi, ma queue se trouve devant moi. Je pense qu'avoir la queue entre les jambes, c'est de prendre des décisions normes, avoir des décisions justes, hein, prendre des choses. Je pense que c'est de trancher. Et ça, c'est l'assurance. C'est l'assurance d'être un homme. C'est afficher sa masculinité, c'est d'avoir de l'assurance. Avoir la queue entre les jambes. Tu me demandes quoi? Mais moi, il y a une queue entre mes jambes. C'est quoi? Ça veut dire avoir les jambes entre la queue. Avoir les jambes entre la queue. Non, c'est ça, c'est compliqué. Pardon.